Avec Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Victoire du GBDA ce soir face à Villeurbanne pour la première de la saison. Ouais, je suppose qu'il y a beaucoup de joie ce soir. Ouais, c'est clair. On avait à cœur de bien commencer à domicile. Et rien de tel qu'un match à rebondissement avec ce suspense, c'était top. On a fait une grosse première mi-temps, on s'est fait un peu peur en deuxième. Et Clément qui ferme la baraque derrière et on fait le trou et on gagne. C'est magnifique. C'est vrai qu'il y a cette première période. On va dire quasi parfaite, vous menez à la pause, ensuite il y a cette entame de seconde période où vous menez de plus 5 buts et d'un seul coup, la machine s'est un petit peu enrayée, mais vous avez su bien rebondir. Ouais, on a su bien rebondir, on savait qu'ils allaient rien lâcher, comme ils l'ont fait contre Tremblay chez eux. Après, comme je l'ai dit, on a tenu, on a eu un gros temps faible, mais on était là, on n'a rien lâché. Clément qui nous fait des arrêts derrière et ça a relancé le truc et voilà. Mais c'est vrai que ce soir il y a eu aussi beaucoup d'arrêts de gardiens, mais il y a eu aussi beaucoup de générosité, de combativité. C'est ça qui fait la force du GBDH aujourd'hui. Ben, on savait que contre des équipes comme ça, si on ne se donne pas à 100%, ils allaient nous faire mal dans l'impact sur tous les duels. On a su répondre présent et on a gagné le défi. Vous aviez gagné à Sarrebourg, vous étiez incliné à Célestat qui est le grand favori de cette Pro League. Et vous avez gagné ce soir. C'est bon train pour les prochains matchs, il y aura Ponto qui va arriver très prochainement. On sait que c'est un gros match, après on prend les matchs un par un, on sait ce qu'on a à faire et on essaye de les prendre tous. On sait que cette saison beaucoup de joueurs sont arrivés, hein. Quasiment tout l'effectif a été renouvelé. Et ce soir ce qu'on a vu sur le terrain, la manière, elle y était, c'est vraiment important pour la suite. Ouais, on est une vraie équipe, c'est magnifique parce qu'en peu de temps, on a su vraiment avoir une vraie cohésion d'équipe et ça c'est assez rare pour le souligner. Je pense que c'est magnifique de jouer avec des gars comme ça et on va prendre du plaisir toute la saison. Justement, ça vient de quoi, cette cohésion qui arrive aussi rapidement? Rien, on est tous des... Ouais, c'est ça, une bande de potes, on est tous des bons vivants, on se kiffe et voilà quoi, et ça roule sur le terrain. Première victoire à domicile, encore bravo pour celle-ci ce soir. On espère que Besançon va être une forteresse, c'est un message aussi que vous envoyez aux autres équipes, ça va être dur de gagner à Besançon. Oui, bien sûr, c'est le message fort qu'on essaye d'envoyer à toutes les autres équipes, que ça va être dur ici, qu'ils vont y laisser des plumes, et que voilà, ça va être dur de gagner à Besançon. Merci beaucoup Mathieu, à très bientôt. Merci. Merci.